Donc bien sûr, j'ai demandé le numéro de la fille et elle m'a envoyé un message juste après. Et puis... Hey, tu sais quoi? Je suis en train de te parler, Seb. Mais tu ne m'écoutes pas. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Juste des photos d'Anna et de Becca. Elles attendent pour l'audition. Mais... pourquoi cette tête? Je pense à la fille de Sarah. Rebecca. Je viens de me rappeler d'une chose. Elle m'a demandé pour son père. Tu te souviens d'Edouard? Bien sûr, oui. C'est le père de Becca, non? Alors, où est-il? C'est ce qu'elle m'a demandé. Mais bien sûr, je ne peux rien dire de ce que je sais. Nous ne voulons pas que Sarah interprète mal ou soit offensée par nos intentions envers sa fille. Donc on attend que Sarah explique elle-même la situation. C'est bien. Et évite de te disputer avec Sarah. Ce que je ne comprends pas, c'est comment il a pu leur faire ça. Comment un père peut faire ça? Quand j'ai perdu mon enfant, j'ai souffert, tu sais. Maintenant, je ne passe pas un jour sans penser à ma fille. Je te regarde et tu me regardes. Je suis trop excitée. Est-ce que je suis jolie? Oui, bien sûr. Na 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 na. Et on va crier. Allô, Seb? Alors Alex, comment ça va? Cara m'a dit que tu accompagnais les enfants pour l'audition. Tu as besoin d'aide? Pas la peine, Seb. Tout va bien ici. De plus, Cara dit qu'elle reviendrait vite. D'accord. J'espère que ce n'est pas trop dur. Non, ça va. Oh Alex, est-ce que je peux parler à Anna, s'il te plaît? D'accord, attends un peu. Anna, viens, c'est ton père. Anna? Chérie, je voulais te dire bonne chance. Papa, je suis nerveuse. Tu t'es exercée, non? Puis, tu veux réussir, non? Alors, ne sois pas timide, ne sois pas nerveuse, tu vas réussir. Fais de ton mieux. Ok, papa. Merci. Amuse-toi juste avec Rebecca, d'accord? Prends ça... comme un jeu, ok? Tu ne seras pas nerveuse. Ok. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi, papa. Bonne chance. Pourquoi tu es si pâle? Tu es stressée? Ça n'a pas encore commencé, tu ne réussiras pas comme ça. C'est parce que maman n'est pas là. Je vois. C'est la vie, son travail est plus important que toi pour elle. Je croyais que maman serait là avec moi. Ça va, Anna. Eh bien, regarde, Becca. Elle semble ne pas se soucier que sa mère ne soit pas là. C'est parce que Becca est meilleure que moi. Et je suis prête parce que je suis la plus belle. Fais pareil. Et fais le mieux. Tu passes en premier en plus. Je suis sûre qu'ils te choisiront. Va t'exercer. Dépêche-toi, vas-y. Alors, tu as trouvé Sarah? Oui, patron. Mais on doit attendre le bon moment, parce qu'il y a... il y a trop de monde là-bas. Ça, ce n'est pas mon problème. Fais ce que je t'ai dit, c'est compris? Quoi qu'il arrive, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que Sarah paie pour ce qu'elle m'a fait. Elle regrettera certainement ce qu'elle m'a fait. Tu sais, je tombe facilement amoureux. Mais je ne pardonne pas quand je suis en colère. Becca, tu n'es pas fatiguée? Pas du tout. Tu veux du jus? Oui, j'en veux. Eh bien, va en acheter. Hein? Et celui qu'on a apporté alors? Anna l'a bu. Elle avait soif parce qu'il fait très chaud. Tu peux en acheter seule, non? Tu connais Anna, elle ne veut pas être seule. Je voulais en acheter pour vous deux. Mais il risque de me chercher, tu comprends? Hein? Mais comment faire si mon tour arrive? Mais non, je m'en occuperai. Je leur dirai que tu achètes quelque chose. Ne t'inquiète pas. Tiens ça, c'est de l'argent. Va en acheter. D'accord, attends, moi je reviens vite. Ok, merci. Ok, Lia, merci. Suivante. Regardez, elle est mignonne. Ok, pour Hannah, montre-nous ton talent. Ok, monsieur.
Je pense que je ne pourrai jamais voir un poème aussi beau qu'un arbre dont la bouche affamée est collée. C'est tout, Anna ? Je n'ai pas fini, monsieur. Attendez-moi. Je me souviens d'être passée par là. Toutes les portes sont pareilles. Je pense que c'est celle-ci. Est-ce que tante Alex et Anna sont là ? Probablement non. Où sont-elles ? Ah ! Oh, je suis désolée. Désolée, monsieur. Je suis désolée. Désolée. Je suis désolée, monsieur. Je cherchais quelque chose. Je dois aussi m'excuser. Est-ce que tu participes à l'audition ? Oui, monsieur. Est-ce que vous savez où c'est ? C'est là, dans cette salle. Là ? Et où sont tes parents, alors ? Ma tante et Anna doivent être dedans. Oh, ok, je vois. Il y a quelqu'un dedans. Je pense que c'est pas encore fini. Attends-moi là, je dois répondre un peu. Ok ? Ok. Allô ? Puis-je vous aider ? Aumône pour les pauvres. Aumône pour les pauvres. Donnez-moi de quoi manger. S'il vous plaît, ayez pitié de moi qui suis une fille petite, maigre et en haillons. Oui, c'est vrai. C'est amusant. J'ai tellement faim, monsieur. Oh non, c'est ma représentation. Très bien, Anna. Tu peux faire autre chose ? Chanter ou danser ? Ah oui, madame. Je peux danser. Aïe ! Oh ! Oh, Anna. Anna, ça va ? Camille Rose. Les problèmes de l'événement sont résolus ? Oui, écoute-moi, je suis désolée. Les clients sont exigeants et Madame Laura ne pouvait pas aider. Elle avait un autre client. Pas de soucis, je pense que le client est finalement content. Tu as sauvé la situation. Heureusement qu'un des clients était d'accord pour prendre l'étage. C'est vrai, je suis désolée mais je dois vraiment y aller, ma fille m'attend. Ok, hey, ok, Cara, vas-y. Je suis contente que vous soyez là. L'événement se déroule comme prévu. J'espère que votre événement sera un succès, madame. N'hésitez pas à m'appeler s'il y a un problème. Mais Cara, je pense que vous resteriez au moins une heure. Je veux juste m'assurer que tout aille bien et que ce soit parfait. Et surtout à l'ouverture des portes des VIP. Qui sait ce qu'il peut se passer ? S'il vous plaît, Cara. Oh, elle est belle. Bonjour. Bonjour. Oui, elle est très très belle. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Bon après-midi, les Philippines. Et bon après-midi, le monde. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Rebecca Suarez. Vous pouvez m'appeler Becca. J'ai 7 ans et je viens de la ville de Kansas City. Elle est adorable. Oui, elle est adorable. Ok, Becca, fais face à la caméra. Très bien. À gauche. Maintenant, tourne à droite et regarde très bien. Regarde cette fille. C'est la fille que j'ai rencontrée l'autre jour. Elle sera parfaite pour la publicité. Bon après-midi, gentlemen. Je m'appelle Rebecca. Je suis Edward. Content de te voir. Gentlemen. Ok, Becca. Qu'est-ce que tu vas nous montrer ? Ma pièce de théâtre. Ben ok, tu peux commencer. Au monde pour les pauvres, au monde. La même chose. Encore une fois. Notre fille a déjà fait ça. C'est la même chose. Elle a fait la même chose. Ce que notre fille a fait. Mais elle est vraiment mignonne. Bonjour. Oui. Va t'entraîner. Comment était l'audition ? Je n'ai pas pu accompagner Rebecca parce que ta sœur m'a trouvé un travail. Comment ? Becca est toute seule sans soutien ? Allez, on y va. Non, non, ça va. Cara est là avec elle. De plus, je lui ai donné des conseils et souhaité la bonne chance avant qu'elle ne parte. Tu sais, je pense que son rêve va devenir réalité. J'en suis sûre, Bonjo. Surtout, le fait de l'envoyer dans une bonne école, j'en suis excitée. Oh, j'ai oublié, je dois appeler Cara. Je veux savoir comment va ma fille. Hé, hey, Sarah.
Oh, salut, madame. Tu as été efficace. Bien sûr, je suis douée. Je peux même les faire les yeux fermés, madame. Heureusement que tu es déjà là. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde ce soir. C'est pourquoi nous devons nous préparer. C'est vrai. Banjo, s'il te plaît, tu dois t'exercer. Ah, allez, exerce-toi. Okay. Pressé. Oui, madame, allez. C'est compris. Tu peux le faire, Becca. Au monde pour les pauvres, au monde pour les pauvres, au monde pour les pauvres. Ne m'approchez pas, vous puez, je risque d'être infectée à cause de vous. Donnez-moi de quoi manger, s'il vous plaît, ayez pitié de moi, qui suis une fille petite maigre en ayant. J'ai tellement faim, monsieur. Où sont tes parents? Demande-leur de quoi manger, parce que ce morceau de pain est à moi. Comme je t'ai dit. Alors, c'est pas mal, Becca. Ok, continuons, Becca. Maintenant, imagine qu'il y a une baguette magique qui vole dans la salle. Okay. Elle a transformé tes vêtements. Tu es devenue une princesse d'un coup. Comment tu agirais? Waouh, c'est parfait, elle est géniale. Merci, Becca. C'est impressionnant. Merci. Merci à vous. Merci. J'adore cette fille. C'est comme ça que ça doit être fait. Bien joué, hein. Je l'attends vraiment. Merci, Becca. Tu sais, tu m'as vraiment impressionné. Merci beaucoup, monsieur Edouard. C'est rien. Très bien, on y va. Qui est le suivant? Bye. Bye, merci. Bye. Ce sera le bon choix. Oui, je le pense aussi. Elle est géniale. Anna, tu vas bien? Ils auraient dû me choisir. Mais tu m'as humiliée, Becca. Anna, qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne t'aime pas. Pars, je te déteste. Pourquoi tu te fâches? Je n'ai rien fait de mal, Anna. Tu m'as humiliée. Tu es méchante. Mais je n'ai rien fait. Comme tu m'as regardée à l'audition, alors j'ai eu peur. J'ai juste regardé. Mais je devrais être en colère parce que tu as volé ma pièce. Menteuse, tu voulais que je fasse une faute pour que tu aies l'avantage. Ah, ça fait mal. Je ne t'ai rien fait. Pourquoi tu fais ça? Tu es méchante. Anna, arrête. Tu es méchante. S'il te plaît, arrête. Anna? Anna? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. C'est la faute de Becca. Becca, pourquoi tu l'as poussée, hein? Je ne l'ai pas fait exprès. Elle m'a aussi blessée. Ne me mens pas. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Pauvre Anna. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Tu es mauvaise. Ça va, ne pleure pas. Elle est méchante. Ne t'inquiète pas. Ok, attends ici, Camille Rose. Le client ne portera pas plainte. Bien sûr, tu as raison. Une minute. Allô? Allô, maman? Cara? Désolée maman? De te déranger. Maman? En fait, on a un problème ici. Est-ce que tu peux venir? Maman? Attends, Alex, c'est Anna qui pleure? Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Oui, c'est Anna. Les filles maman. Se sont disputées. Je ne sais pas quoi faire. Maman. Anna pleure sans cesse. Maman. Comment? Quoi? Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Ok, merci, Cara. Reviens. Camille Rose, je suis désolée, mais je dois y aller maintenant. Les enfants se disputent. Quoi? Oh, non, vas-y vite. Si elle se tire les cheveux, je crains qu'elle soit déjà chauve. Je sais, excuse-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pause. Ok, parfait. Okay. C'est tout. Reposons-nous. Ok. Merci. Enfin. Allô, Cara? Allô, Sarah? Est-ce que tu peux aller chercher les filles? Elles se sont disputées. Comment? Et pourquoi ça? Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu les accompagnes, non? Je t'expliquerai plus tard, d'accord? Vas-y tout de suite. D'accord, j'y vais maintenant. Fais attention! Qu'est-ce qu'il y a? Les filles se sont disputées, ma fille a besoin de moi. Quoi? Je viens aussi. Ok, on y va. Ta mère va arriver, ok? Viens ici. Viens, dans mes bras.
Allez, ne pleure pas. Oh, ma pauvre. Monsieur Doued, on doit choisir un enfant pour la pub. On devra informer les parents. Oui, alors, de toutes les filles qui ont participé, j'en ai choisi 3, qui nous conviendraient. En fait, monsieur, madame, j'aime vraiment cette fille. Elle est mignonne et adorable. Ouais, je suis d'accord. Oui, en fait, je l'admire aussi. Choisissons-la. Ok, monsieur, je vais contacter ses parents pour le contrat. Ok. Non, Jérémy, je m'en occuperai. C'est qui sa mère? Là. Sarah Suarez? Anna, ne pleure pas, ça va. Ne m'approche pas, je te déteste. Becca? Becca? Hey, Becca, tu vas bien? Hey, sale gosse, qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Tu l'as blessée? Parle! Pourquoi tu ne réponds pas? Sarah, arrête! Laisse ma fille! Ne blesse pas ma fille! Ta fille a blessé ma fille! Sarah, Becca a un bleu. Tu vois ça? Ma fille a un bleu? Et alors c'est moi sa mère, c'est moi qui corrige ma fille, ce n'est pas toi. Tu as raison, Cara. Tu sais quoi, Sarah? Tu devrais blâmer Becca, mais pas Anna, d'accord? Mon Dieu, Cara, je ne peux pas croire ce que j'ai vu. Anna s'est écartée pour se calmer, mais Becca ne voulait pas la laisser tranquille. Tu vas te taire avant que je ne m'énerve. Je suis sûre que ma fille, Becca, ne ferait jamais ça. Et toi, tu es une adulte, mais tu n'as rien fait pour les empêcher de se battre. Et Cara, je ne comprends pas pourquoi tu as confié les enfants à cette femme. C'est bon, Sarah. Arrête de m'accuser de tout. Et remets en question ton éducation. Elle tient ça de toi, non? Avec ton mauvais caractère. Qu'est-ce que tu dis? Sarah, tu peux te battre? Est-ce que vous pourriez arrêter? Sarah, mais ça suffit. Elle est sûre de ma fille et tu veux que je la laisse faire, c'est ça? Ne rajoute pas, ok? Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Maman, Becca m'a humiliée pendant l'audition. Vraiment? Anna a été humiliée parce que Becca a ruiné son passage. Elle a été distraite, alors elle est tombée. Becca, c'est vrai? Non, j'ai juste regardé. Becca, il ne faut pas mentir, ok? Et tu accuses ma fille de mentir, Sarah, hein? Arrête Sarah. Ça! Allez, c'est bon. Si tu crois vraiment ta fille, alors n'agis pas comme ça. Quoi? Tu veux que je me taise quand elle accuse ma fille, c'est ce que tu veux? Ce n'est pas ce que je dis. Écoute-moi bien, n'agis pas comme ça devant ta fille, parce qu'elle risque de faire comme toi plus tard. Je le savais, vous vous liguez contre ma fille. Maman, ça suffit. Non, ce n'est pas fini. Il faut nous calmer. Rentrons chez nous, d'accord? C'est embarrassant. D'accord, lâche-moi. C'est mieux de rentrer maintenant. Sarah, viens avec nous, ok? Quoi? Après ce que vous avez fait à ma fille, tu penses vraiment que je vais vous suivre? On y va. Oh mon Dieu, pourquoi elles se sont disputées? On dirait que c'est à cause des enfants. À cause des enfants? À propos de l'audition? Oui, je pense que oui. C'est fini, tout est fini, vous pouvez partir. Allez, on y va. Monsieur, voici les enfants qui iront au prochain tour. Jessa Mariano et Kai Rodriguez. Bonjour les filles. Attends un instant, il en manque une. Où est Rebecca Suarez? Monsieur, malheureusement, on n'a pas pu la trouver, mais j'ai demandé au personnel de la chercher. Non, je vais la chercher moi-même. Excusez-moi, désolé. Ok, pas de problème. Comment allez-vous les enfants? Dépêche-toi! Ne reviens plus ici, c'est ce dont je te parlais. Allez, Becca, dépêche-toi! Je me demande ce qui s'est passé. Mesdames, est-ce que vous avez vu une fille avec un serre-tête rose par ici? Ah oui, celle qui se disputait tout à l'heure. Une dispute? Oui, il y a eu une dispute. Les parents sont venus, des jumelles. Attendez, où sont-elles alors? Oh, elles viennent de passer. Vous pouvez les rattraper. D'accord, merci. Allez, Becca, plus vite! On rentre maintenant! On y va! Allez, monte.
Sarah ? Attendez ! Et attendez ! Edward, où tu étais ? Je t'attends. C'est Sarah, Jérémy, je l'ai vue. Ton ex ? Elle est déjà partie, mais elle était avec Becca, celle de l'audition. Puis-je voir son formulaire ? Bien sûr. Il y a son adresse ? Oui, c'est écrit dedans. D'accord. Ok, Edward. Oh, les voilà, je pense. Va voir. Oui, la d'accord. Porte. Viens ici. Attends un instant, j'arrive. Hey, entrez. Félicitations. Becca. Et c'est quoi cette tête? Comment était l'audition alors? Où est Kara? On ne sait pas. Alors, vous êtes allé chercher Becca? Est-ce qu'on l'a choisi? Je ne suis pas d'humeur pour ça. On y va. Sarah, ma fille. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui demanderas plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Demande à Kara quand elle rentre, maman. Mais Sarah, c'est à toi que je demande, alors réponds-moi, s'il te plaît. Maman, allez, je te l'ai dit, je suis ici pour toi, ok? Mais maintenant, j'en ai marre, sérieusement. Si Kara traite ma fille comme ça, il est mieux pour nous de rentrer. Bonjour, monsieur. Connaissez-vous Sarah Suarez? Je suis désolé, je ne suis pas ici. Ah, d'accord, merci. De rien. Monsieur, est-ce que vous cherchez Sarah Suarez? Oui, madame. Vous la connaissez? Oui, je la connais. Je peux vous aider? C'est une vieille amie. Je veux la retrouver. Oh, c'est dommage. Vous arrivez trop tard. Elle n'est plus là. Vraiment? Elle a déménagé? Non, elle loue un logement ici. En fait, elle ne vient pas très souvent. Pourquoi ça? Ben, j'ai entendu que son père est mort, donc elle est chez sa famille. Est-ce que vous connaissez leur adresse? Je ne sais pas, mais je sais où elle travaille. C'est au club Felicita. Vous pouvez demander à un chauffeur et il vous emmènera. D'accord, merci alors. Je vous en prie. Au fait, madame, elle habite avec une petite fille. Vous la connaissez? Oh, c'est Becca. C'est sa fille. Savez-vous son âge? Je pense qu'elle a à peu près 7 ans. D'accord, bah merci. De rien.